Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est The Falsification pour une nouvelle vidéo. Donc, sur FIFA 13 Ultimate Team épisode 2. Donc, pour cette série, et donc, on s'était arrêté, si vous vous en rappelez bien, à la saison 1. Merde, à chaque fois je vais y arriver, hein, je vais pas y arriver. La saison joueur solo division 1 pour le troisième match, et donc pour vous le deuxième match, mais pour moi le troisième match en tant que division 1 face à Manchester City. De toute façon, on n'avait rien d'autre à voir, donc c'est parti, on go directement là-dessus. Et si vraiment on a le temps, et je vous dis bien si vraiment on a le temps, on va directement faire l'autre match, mais en résumé au pire. Parce que de toute façon, attendez, regardez, regardez la rencontre, voilà, donc vous voyez, c'est une équipe pro, donc je pense que ça, plutôt, je vais le passer, parce que le pro, on va dire que c'est pas énorme. Je vais vous faire un résumé, mais sinon, c'est tout, quoi. Donc voilà, donc là, modifier compo, niveau forme, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a certains joueurs qui sont crevés. Et donc du coup, obligé d'être remplacé. Regardez là, ici il est crevé. Un DC. Là. Le DD. Ouais, j'ai beaucoup de remplaçants pour partout. Hein. Vraiment, j'ai en fait, j'ai une équipe. En fait, les remplaçants sont les joueurs de luxe. Pour moi, c'est les joueurs de luxe. Parce qu'en gros, je les prends. Mais on sort... en fait, je m'en fous de la nationalité tant qu'ils sont super bons. Regardez Walcott, je l'ai pris parce que parce qu'il était 4-3-3 et qu'il était super bon. Regardez sa vitesse, 96. Je sais plus pour combien je l'ai acheté, normalement on peut le voir. Voilà, je l'ai acheté pour 4000, hein, donc je vous le dis, c'est pas pour rien. J'ai pas acheté pour de la merde, c'est vraiment quand Briand est crevé, bah lui au moins il est là. Il bouge son cul aussi, ce qui fait que ça soutient bien aussi quand même derrière. Même si le collectif est à 87, il est toujours bon. Ce qui fait que je peux vous dire que c'est super bien. Donc bah là c'est parti, hein. Parti pour le match face à Manchester City. Toujours à domicile, ça changera pas ça de toute façon. Il n'y aura que en ligne qu'il y a des chances qu'on joue à l'extérieur, mais en solo, t'es toujours à domicile. Et là, regardez, le premier tir. Oh là là, en pleine dent. Magnifique. Encore en pleine dent. Le suivant. En pleine dent. Et le dernier. Pas en pleine dent. Allez. Voilà, magnifique. Et en plus, j'ai un bonus, regardez. Oh là là, ça fait monte très loin. Oula, j'ai fait 11291, qui peut me battre? Non, je déconne, hein. Cette fois c'était un peu référence à une de... à deux séries que j'ai... bah deux vidéos que j'avais faites sur Modern Warfare 3, où j'avais demandé qui peut nous battre alors que c'était pas censé être le but, mais c'est pas grave, hein. Le but, brut, brut. Et n'empêche, ça, si vous l'entendez la musique là, si je me gourre pas, a été dans PES. Dans un des PES, je sais plus si c'était le 5 ou le 2008. En tout cas, elle est dans un PES et elle est dans FIFA 13. Oh yeah! Et c'est parti donc pour le match face à City. Donc, en cette fois-ci en difficulté légende et pas ultime. Donc, légende est un peu en dessous d'ultime. Même si je trouve que en fait ça change pas grand chose. Hein. Et ça, je peux vous le dire. Allez, c'est parti donc. Hein. Allez, on va centrer. Non, le joueur va nous choper. On centre. Et la défense est instable, ce qui fait qu'ils ont le ballon. Là, non. Très bon contrôle. Gareth Barry, un beau duel en perspective. Ouh, regardez comment j'ai. Ouh là là, j'ai. Voilà, j'ai rien envie de dire. C'est faut être silencieux. Je l'ai. Voilà. Et la reprise. Bon joueur qui fait saute mouton sur le ballon. Des moments on se demande pourquoi les joueurs ne font pas la tête, hein. C'est tout simplement parce que ben ils sont cons. Oh oui, magnifique, c'est un appel de balle qui sera repris quand même par les défenseurs. Il joue bien. Oh! Pourquoi tu l'as pas pris, mon chef? Oh là là. Oh, magnifique là. Oh! Donc, ouais, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode 1. Je sais que c'était un peu. What the fuck, hein. Parce qu'en gros, j'expliquais un peu à la one again. Mais c'est parce que j'avais pas trop envie voilà, de faire une explication trop longue qui dure une heure. Hein, parce que sinon je vais vous faire un truc, ouais voilà ce joueur là je l'ai acheté là. Ce joueur là il m'a mis autant de buts. Ça au pire on pourra faire dans un épisode spécial des questions par rapport à ça.
Je veux dire, je vais faire voir, tiens, ce joueur-là, il a marqué autant de buts. Je l'ai acheté pour autant de sous. Alors, vous demandez aussi tout à l'heure pour l'épisode 1 comment j'ai gagné autant de crédits. Bah, comme je pense que je l'ai déjà dit un peu dans l'épisode 1, c'est simple, c'est les. Attends. Oulala. C'est simple, c'est en gagnant des coupes. Les coupes en ligne, les divisions, en solo. En faisant des matchs, bien sûr. Et c'est surtout, voilà, c'est vraiment les coupes, les compétitions. En solo, en ligne et tout, ce qui fait que en gros bah, on gagne vraiment des la blinde dessous. C'est pour ça que je vous dis, j'aime mieux largement le FIFA 13 Ultimate Team que le 12. Le 12 c'était vraiment, comme je vous le dis, pour gagner des crédits, c'était soit en gagnant des matchs en ligne et en gagnant des compétitions mais un peu plus chaudes quoi, où faut vraiment y aller quoi pour gagner. Ou soit fallait vendre des trucs. Et là, bah là t'as juste à... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout mon gardien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a hésité. Et donc du coup Manchester City mène un but à zéro. C'est un geste très dur hein, qui demande une grande maîtrise technique et une bonne dose de confiance en soi aussi, il faut le souligner. Croyez-moi, il faut en taper des centaines à l'entraînement hein, pour essayer d'en... Oh là là, magnifique! Oh que c'est magnifique! Mon joueur est parti d'en haut et c'est encore une fois, depuis l'épisode 1, il est en forme. Jimmy Brillant! Alors, des centres comme celui-là, c'est un vrai régal pour les attaquants. Et ils égalisent donc un but partout. Il est super bon Jimmy Briand, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode 1, je vous le conseille à mort. Il est super excellent, vous avez pu le voir, il a dribblé au moins 3 joueurs pour après aller marquer dans le but. Le gardien était tellement nul. Allez, 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 encore lui, regardez, c'est encore lui là, même si là, c'est trop court. Oh là là, le joueur il fait n'importe quoi que Aguero il s'est cassé, Aguero il s'est cassé la gueule. Ça c'était un bon centre, le problème c'est que le joueur qui a fait la tête, il était un peu trop loin. Allez. Non, encore trop loin. C'était bien tenté quand même. Oh, comment je l'avais à peine vu. Et regardez, magnifique. Allez, c'est parti, une contre-attaque là. Non. Ouais. Non. Allez. Non. Vous ne passerez pas de ces Gandalf là qui joue à FIFA. Vous ne passerez pas. Et voilà, donc mi-temps sur ce score de 1-1. Franchement, pour l'instant, Manchester City joue bien, même si j'ai l'impression que je peux quand même largement les avoir. Hein. Rien que déjà par le but que j'ai mis, alors que I was alone. Déjà, j'ai même pas fait de passe, rien, et j'ai réussi à marquer le but. Là, regardez, j'hésite, regardez, hop, 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 magnifique passe en profondeur, qui va aller trop loin. Allez, Joart, grouille-toi. Voilà. Allez, encore une magnifique attente de la passe. Et oh là là, c'est plus brillant, mais c'est Varela qui marque avec une superbe frappe en puissance sur le côté droit. Je vous jure, je suis à côté de mon frère et vu comment il me regarde, c'est limite il... Je suis un gros fifou lol. Hein? Hein? Hein, David? Je suis un gros fifou lol. Je suis un gros fifou lol. Et il répond pas juste pour me faire chier. En gros, il me fout un gros vent. Merci, David! Oh! C'était chaud, le gardien a fait un arrêt réflexe. C'est parfait. Quand on connaît ses qualités de finisseur, on se dit que cette action peut être dangereuse. Non, cette action n'est pas dangereuse. Voilà. Le gardien est encore superbe. Allez, Loïc Rémy. Ouais, bon tacle, mais c'est pas fini. Oh. Il fallait intervenir, c'est bien. Oh, le contrôle. Ouais, le jeu, mon joueur, il va aller chercher loin le ballon là. Loïc Rémy. Loïc Rémy, le tir. Oh, l'arrêt. C'est pas fini, c'est pas fini.
Ah, le petit tir à cause du... Ah, à cause du défenseur. Et coup franc. Wouhou. Attends, penalty ou coup franc? What? What the fuck? What the fuck? Penalty ou coup franc? Ok, coup franc. Changer de tireur. Sissoko. Sissoko en puissance. Non, bah laisse tomber, c'est bon, j'ai rien dit. Ah, c'est parti. Et ouh, Joe Hart, il est bon là. Parce que vu le tir, c'était chaud. Hein. C'est un peu la panique, mais il dégage. Ça revient dans les pieds de l'adversaire. Il trouve son coéquipier. Il tire de balle. Ah, là, regardez, c'est tellement le bordel dans la surface. Allez, le tir. Et ouh, encore une fois, Joe Hart qui est super bon. Et la tête. Ouais. Loïc Rémy qui marque de la tête. Yeah. Ça, c'est bon, ça. Après, là, par instant, quel but? Si vous avez, par exemple, envie de voir le prix d'un joueur tel que Lionel Messi et tout, si vous avez envie de me dire ça en commentaire, me dire, hey, va voir ce joueur-là, tu peux me dire c'est quoi son prix, etc. Il n'y a pas de souci, j'irai voir, parce que je vous signale que je suis sur Xbox. Hein, je suis pas sur PS3, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris. Je suis sur Xbox, ce qui fait que, ben, comme ça, au pire, ceux qui voient sur PS3, ils disent, oh, l'enfoiré, il l'a eu à ce prix, ils l'ont à ce prix-là, alors que nous, on l'a à 50 000 plus cher, etc. Ouh, et Mandanda qui te fait un arrêt encore. Réflexe. Là, il est quand même, Mandanda, je trouve qu'il est quand même plus chaud que sur l'épisode 1. Hein. Là, il nous fait il nous pond des arrêts qui nous sauvent la vie. Donc voilà, donc c'est ça ce que je disais. Donc si vous avez des questions par rapport à un joueur tel que Messi ou autre, hein, vous dites tiens, sur PS3 il est à ce prix là, pourquoi sur Xbox il sera combien? Ben, là tu me le dis et puis moi je regarde dans un certain épisode et puis voilà. Attention le tir, oui encore une fois. Hey, ils sont bons les gardiens. Je dis ça, je dis rien. Oh là là, mais regardez-moi ça. Je sais pas, même un gardien réel n'arriverait pas à arrêter ça quoi. J'aurais pas le réflexe de penser à ça. Voilà, encore un but de la tête de Loïc Rémy. Le gardien n'a pas rien à faire. 4-1, ça commence à mettre une branlée. Donc l'objectif de gagner pour l'instant tous les matchs, ben... Oh là là, qu'est-ce qu'il fout? Ouh là 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 là. Et Mandanda, je veux bien que tu fasses le fou des moments, mais faut pas trop abuser non plus mon petit. Hein. Ouais, il est le premier sur cette passe. Ah oui, donc d'ailleurs, au fait, un petit conseil aussi, je pense que vous l'avez marqué, c'est que quand votre joueur, pour éviter d'utiliser des cartes formes, comme vous l'avez pu remarquer aussi, j'ai pris des remplaçants de luxe, c'est d'avoir des remplaçants qui sont au même poste, qui sont au même dispositif, au même poste, au même dispositif, donc je répète un peu bien pour bien me comprendre moi-même déjà. Allez, ça peut aller vite sur ce compte. Ouais, c'est spécial. Hein. Et en gros, bah, après, vous le remplacez quand vous voyez par exemple qu'il a 86, 85 environ. Et oh là là, Mandanda. Et à 85, 86, vous le remplacez par celui normalement qui devrait être le remplaçant de luxe, qui a 99, qui fait que bah, des moments il peut jouer deux matchs. Hein. Ça se peut que votre joueur met un peu de temps avant de se remettre en forme. Donc c'est pour ça, des moments votre joueur peut le remplacer pendant deux matchs. Oui, c'est pas un drame, si vous mettez bien, vous cherchez bien un bon joueur au même poste et au même dispositif, normalement le collectif ne perdra pas énormément. Et voire même si vous trouvez un remplaçant de la même nationalité, du même club, etc. Ou peut-être pas du même club mais du même championnat, je peux vous jurer que c'est encore mieux. Hein. Et moi j'ai pris des meilleurs remplaçants de luxe dans le sens où je savais très bien qu'il en fallait. Regardez Walcott, il est super en vitesse, 96, je peux vous jurer que quand il y a des. De ce côté ça part très vite. Hein. Et là. Encore un super tir et encore une fois un super barré de Joe Hart qui, malheureusement, même si c'est pris 4 buts, sauve l'honneur comme il peut. Et penalty? Penalty? Ils ont fait une main? Donc c'est parti pour le penalty. Je vais tirer à droite. Il aime bien que je tire à droite, alors on va tirer à droite. Et c'est le but! Regardez-moi ça. Oh là là, en plein dedans là. Le gardien s'est complètement gouré, ça fait du 5-1. Regardez, ils font n'importe quoi même les joueurs. Pourtant, je vous signale et je vous le répète, ils sont en légende. Hein. Donc, légende, c'est quand même pas de la merde. Mais voilà, c'est la vie. J'aurais mis 5-1. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire incontestable
un match un peu à sens unique hein, tout de même. On a senti tout de suite hein, qu'il n'y aurait pas de match, ils ont dominé de la tête. 1-1, 7 points, c'est parfait, il reste plus que 21 points. C'est-à-dire en gros 7 matchs, hein, comme vous pouvez savoir, donc en gros tous les matchs. Et donc là, on va passer Oh là là, hey, je suis bourré, attends, je vais boire un peu de coca. Hein. Regardez, vous entendez les... voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est simple, c'est que là, on va pas se quitter maintenant, vous inquiétez pas. On va faire le match en live, en résumé, parce que j'ai pas envie de faire tout le temps que des matchs live, donc je vais faire un match résumé. Donc c'est parti, donc là, je vais vous commenter en même temps que moi. Hein. Là, je parle toujours, donc là, oh, Mandanda, y a plus de contrat, bah hop, tiens mon gros. Voilà, t'es refait pour 13 matchs. Vous voyez, regardez, regarde. Par exemple, là, vous voyez que Colsigny il est mort. L'autre joueur il est toujours là, l'autre décès. Mais derrière, bah, j'ai Pera. Non, j'ai une connerie, pardon. J'ai mon autre joueur, je sais pas où il est. Là, Rami, voilà, il a 96. Il était pas 99 pile, mais il a repris sa forme. Ce qui fait que je peux le remplacer. Alors, est-ce que je remplace par contre. Ouais, 89, il peut encore jouer. 88, non. Ouais, c'est la blague, hein. C'est ma blague. Voilà. Varela, t'es remplacé par lui, vu qu'il n'y a pas d'autres joueurs en attaque en gauche pour l'instant. Et c'est bon. Et il y a un peu le gardien. Bah, d'ailleurs, on va remplacer. On va prendre Jourdain. Et oui, donc avant j'avais Jourdain. J'ai Mandanda, donc là Jourdain va le remplacer pour un match, logiquement. Et donc là, c'est parti pour donc le résumé. Donc je vais vous retrouver maintenant, hein, je vais vous retrouver directement à chaque fois, mais en résumé, c'est-à-dire que je ne parlerai pas en live. C'est-à-dire que je parle en live, mais je commenterai juste plutôt les actions que je fais. Un peu comme, je pense que certains le connaissent, Chitou 76. J'aime bien ce qu'il fait, donc j'ai envie de faire pareil pour certains matchs. Donc là, on va faire un petit résumé pour ce match. Allez, je vous retrouve, à tout de suite. Et donc c'est parti pour le match Liévin face à Bayern. Peut-être déjà une première action dangereuse pour Liévin. Et oh le tir, attends c'est pas fini. Et c'est déjà le but. Énorme ici déjà dès leur première action. Liévin marque le premier but avec Nijeland, donc celui qui a remplacé Varela et qui est quand même, je vous signale, un joueur argent. Action peut-être pour le Bayern, regardez, grosse action là. Ils sont tout seuls là, oh là là, il a personne sorte. Ouh, le poteau. La chance du gardien de Jourdain, sa chance du jour, c'est ce poteau et une main normalement, voilà, signalé par l'arbitre. Oh là là, magnifique ça, tout ça, tout ce jeu. Oh, l'arrêt du gardien, c'était magnifique le dribble, plus le joueur qui tire là. Et le gardien Neuer, hein, ou Neuer, ou trou du cul, je sais pas quoi, qui a fait un super barré. Et c'est peut-être pas fini, le tir, et ouh! C'est passé pas loin encore une fois. Oh, c'était magnifique. Excusez-moi, j'avais pas parlé, c'était magnifique. En fait, de départ, je voulais la faire au premier joueur, regardez celui-là, là, celui qui était en train de courir là. Et puis l'autre, il est arrivé d'un coup et puis boum, poteau. Et oh, j'ai cru que ça allait faire poteau en temps, mais ça ne l'a pas fait. Et du coup, ben, sortie de but, hein. Malheureusement. Attention, peut-être une action encore pour Liévin. Ouh. Le centre, la tête, ouh, au-dessus. Ouh, corner. Corner, ouais, c'est bien ce que je pensais. Et encore une corner, et là, cette fois-ci, elle est complètement au-dessus. Là, tu pouvais rêver, Loïc Rémy. Allez, le centre, peut-être, non, toujours dégagé par la défense qui joue bien son rôle pour l'instant, là, depuis le but. Et le tir, et oh là 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 là. Quel tir puissant, c'est énorme. C'est Yann Mbila, regardez-moi ça. Il contrôle le ballon, il va vers le bas un peu, et là il commence à tirer, boum, le gardien peut rien faire. 2-0 pour Liévin face au FC Bayern à la 47ème minute. Voilà donc fin du match, non pardon, fin de la première mi-temps, donc pour l'instant 2-0 pour Liévin face au Bayern, donc ça va, c'est un match équitable, même si le Bayern a mis une grosse occasion, mais c'est tout. Et on revoit un peu cette action, ce but un peu chanceux quand même de Liévin, où le joueur tire, ça revient sur lui direct après, et là le tir magnifique. Magnifiquement arrêté par Neuer. Et là regardez ce poteau, oh là là, qui pourrait foutre la rage à Yann Mbila. Mais derrière regardez, il va se venger en mettant ce but magnifique. Regardez ça. Pouah. Le gardien a rien compris. Donc les stats, hein, je vous laisse. Au pire si vous voulez mettre pause, vous regardez. Et puis nous on reprend directement. Allez donc pour cette deuxième mi-temps.
Oh, contre-attaque pour le Bayern. Contre-attaque pour le Bayern, c'est dangereux. Ouh là là. Il a réussi à passer, il a réussi à passer. Et le tir, et voilà, le but du Bayern. Le but du Bayern de Robben. Oui, ben voilà, j'ai mal joué. Ils ont réussi à faire un petit contre. Jourdain, comparé à Mandanda, il est nul. Et ben voilà, 2-1 pour Liévin toujours. Allez, peut-être, oui, peut-être une contre-attaque là pour Liévin. Regardez-moi ça, gars. Ouh là là! Eh non, arrête le gardien, j'ai voulu trop jouer à courir. Et le gardien m'a rattrapé. Allez, c'est reparti. Et attendez, c'est même pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Le tir et l'arrêt du gardien. Corner. Le corner tiré. Ouh là là, c'est bon, c'est loupé. Par contre, ça c'était pas loupé. Et le tir et le but! Quelle récupération de Jimmy Briand et ce but magnifique. Regardez-moi ça. Petite récupération tranquillou. Hop là, de justesse. Et là, le tir. Le gardien ne peut rien faire. 3-1 donc pour Liévin à la 71e minute. Allez, peut-être une occasion pour Liévin. Le tir et le but de Loïc Rémy. Ah là là, encore une fois, une grosse occasion et un gros but, une grosse puissance. Et voilà, hein. Je vous l'ai dit, j'ai des joueurs rapides et puissants. Hein. Joueurs puissants, regardez-moi ça, ce tir là, c'est énorme. Donc 4-1 pour l'IMA face au Bayern. On est bientôt à la fin du jeu. Donc là, on va reprendre à partir de là. Donc je vous reprends à partir de là, c'est-à-dire que là, il n'y aura plus de séquence coupée, etc. Donc là, on se retrouve directement donc pour les dernières minutes du jeu. Le centre, le tir. Et oh là là, quel arrêt encore une fois du gardien. Il est bon. Et là, ils vont faire encore un remplacement. Et la tête. Oh, le défenseur était là. C'est pas fini. Le tir. Et encore une fois l'arrêt. Allez, siffle la fin du match, s'il te plaît l'arbitre, qu'on puisse féliciter nos joueurs. Voilà. Fin du match, victoire officielle de Liévin, encore une fois, une nouvelle victoire. Trois victoires un peu éclatantes quand même, on peut le dire. Étincelantes, je ne sais pas quel mot on pourrait dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ces deux matchs en ma compagnie. Le premier match en live et le deuxième match en tant que résumé et un peu live. Et donc, on va voir maintenant où on en est niveau points et on s'arrêtera là donc pour la vidéo. Donc attention, niveau points, donc là toujours le même du match, c'est toujours notre petit Loïc Rémy. Et donc, 524 crédits, yes. Et donc voici, donc nous sommes à 10 points, il reste 6 matchs. Et donc... pour bien conclure, pour dire pour ceux que ça allaiterait, enfin, allaiterait, comment dire ça, que ça donnera envie de revoir la suite. La prochaine rencontre sera face à. Oh, au PSG en ultime en plus, donc une difficulté énorme face au PSG. Allons-nous les battre dans l'épisode 3 ou pas, ça sera à voir. En tout cas, c'est clair que ça va être très chaud. Hein. Donc, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à plus et à la prochaine. Portez-vous bien et. Rendez-vous pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, sorry.